Pokémon avec une ouverture, avec un coffret qui est ressorti de nulle part. Légende brillante avec le coffret, mais le plus beau coffret je pense qui existe de Pokémon. Alors, le coffret est moins beau en termes d'esthétisme que Galopa ou Destiny Radius comme ça, mais le contenu, les gens. Ah non, mais il est incroyable. Non, mais en gros, les gens, normalement, ce coffret est à prix magasin, on les a acheté 65 euros. Enfin, en magasin. On en a acheté un, on en a acheté un très récemment en magasin, parce que c'est un magasin qui ne fait pas des prix exorbitants comme le trois quarts des magasins en ce moment. Et les gens, ça fait plaisir parce que, en gros, ils ont été très honnêtes parce qu'il y a tous les sites qui l'ont reçu et qui l'ont mis à 150 euros. Voilà. Enfin, limite, enfin, je sais, j'exagère, mais bon. Et du coup, c'est énorme parce qu'il y a un quota de cartes promotionnelles incroyable. Non, mais regardez. Même si vous avez rien dans le coffret, en fait vous avez tellement de choses à côté. Il y a Pikachu promo, Lugia brillant, Celebi brillant, et une arc-en-ciel. Les gens, mais regardez, la caméra est trop petite, quoi. Ce coffret est juste dingue. Mais il dingue. Officie, mais il est ouf. On l'a ouvert d'ailleurs avec mon frère, donc si vous voulez voir la chaîne de Mimir, vous trouverez. Il a pas encore mis sa vidéo. Regardez. Oh là 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 là. Et donc ça, c'est des vrais promos qui n'existent pas dans l'extension, comme le Rayquaza qu'on a eu, comme le Arceus, comme Mew qu'on veut. Mew, Jirachi qu'on veut, Volcanion qu'on veut, regardez, un peu moins, mais c'est pas grave. Regardez ça là, et regardez, 8 boosters. Non mais non, pas 2, ni 4, ni 5, ni 8. Et dingue, et incroyable. Dingue. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On les ouvre. Parce que les gens, je pense que Pokémon, normalement, c'est fait aussi pour être ouvert et pas juste acheté pour vendre sur Internet. Hein, il faut quand même. Acheter pour garder tout, des milliers de dessins. On connecte, voilà, c'est normal de collectionner un peu de scellés. Même nous, on collectionne un peu de scellés, les gens. Bah oui. Mais là, sur des produits en aussi grosse quantité de dresseurs, c'est comme les coffrets Dracofruit que j'ai sont sortis, genre, ce n'est pas rare. C'est juste qu'il y en a qui en prennent 100. Un item rare, pas c'est forcément cher, c'est vous tapez le nom sur Internet, vous le trouvez pas forcément. Voilà, et puis c'est un item qui ne ressort pas 5 ans après. Il y en a, je pense qu'en France, là en ce moment, il y en a. Ouais, 5-6 000. Bah, sauf qu'en fait, il y en a, il y a 100 personnes qui en ont 20 et. Voilà, non, c'est exactement. Ça. Et les gens, ça va vite, mais le problème, c'est que ça, c'est pas rare. Donc l'achetez pas à un prix exorbitant. Je pense que le prix. Correct, c'est aller jusqu'à la centaine, même un peu pas, moins. Un peu, je dirais 80 euros, ça va, ouais. Tu fais ok. Mais les gens, franchement, abusez pas quoi. Oui. Ne soyez pas fous. Non, mais il avec... y a des coffrets très rares. Il y a des coffrets moins rares. Il est magnifique. Hein. Si ça ressort, ça veut dire que ça s'est pas vendu et que. Mais en fait, c'est du stock. Les gens, c'est du stock canadien ou truc comme ça, je sais rien. Apparemment, il y a des rumeurs. Et en fait, ou peut-être que. Mais c'est pas un reprint puisque Pokémon l'aurait dit. Et c'est pas un reprint. Et en fait, c'est. Par contre, c'est ça. Ouf. Ouais, ce que j'ai fait, c'est que pendant que. Parce que moi, je fais la vidéo avec lui. Et pendant qu'il ouvrait, ben, moi, je faisais ça. Oh là là, c'est atroce. Ah, ils l'ont tordu, ouais. Oh, c'est atroce. Là, c'est le problème. Et par contre, il y a un petit poster en plus. Mais non, mais rien. Tu peux t'occuper du poster. Mais alors, je vais m'occuper du poster, voilà. Je vous montre. Oh là là, attends, je vais montrer ça avant de la grosse caméra. Le problème, c'est ça. C'est les cartes qui sont. Ah ouais, et t'as peur de les abîmer. Ouais. Oh, mais il est trop beau le poster! Ah oui! Ah, il est incroyable! Avec tous les brillants. Mais non, mais le en fond, regarde. On va le mettre en fond. Allez. À peu près. Ouais. Alors, vous avez. Rayquaza, Jirachi, Genesect, Volcanion, hop, j'ai passé de l'autre côté. Mew, Celebi et Lugia. Mais franchement, Arceus. Oui, pardon. Elle prend les boosters. Oui. Appela. Mais oui, c'est trop bien. Il est trop beau. Et donc en fait, Lugia et tout, on a retrouvé, on les avait packés en japonais à l'époque. Et c'est pas sorti en France, à part dans ses coffrets. Oui. C'est bizarre, hein. Ouais. Oh, elle est tellement mal cut là-haut. Voilà, et donc on range le poster, on va le remettre à sa place. La Oro arc-en-ciel du coup qui est magnifique, mais alors très décevant, elle est tordue parce que. Mais comme c'est des vieux coffrets, en fait la conservation n'est pas bonne. Hein. En fait, il était comme ça, sauf qu'il était un peu surélevé. Je pense qu'en gros ce qui se passait c'est que la carte a toujours été droite et en fait du coup ça l'a trop abîmé. Donc un peu décevant, mais bon, on va essayer de l'aplatir et de. Ah ouais, c'est la jumbo. Hein. Oui. Oui, mais bon. Ça va, on a l'air d'avoir de la chance sur les promos. Elles sont mal cut, mais elles ont pas l'air d'être trop abîmées. Hop. Ouais, c'est facile. Vas-y, je te. Et donc, les promos. On va zoomer un petit peu parce que là, les cartes sont beaucoup plus petites. Vous avez Lugia brillant. Qui est incroyable. Qui est incroyable, qui est magnifique. Donc, en shiny, hein, comme toutes les brillantes. Vous avez Pikachu promo. Donc, c'est SM 81. Donc, Sun et Moon. Donc, Soleil et Lune 81. Elle est magnifique. Elles sont toutes de travers.
Oh, oh donc en petit, non mais rien que ça, voilà, vous avez une arc-en-ciel. Bah c'est ça, elle est énorme, mais elle est malade code de ouf. Elles sont toutes sur la gauche. Elles sont toutes sur la gauche. Toutes les cartes. On voit un peu moins magnifiques. Là, mais elles sont magnifiques et puis nous on les avait pas et dans la collection. C'est voilà. Les brillants qui est juste également magnifique. Là c'était zéro dans la collection, on en avait aucune. Bah ouais, bah comme ça, c'est cool. Et rien que pour ouvrir, bah, au prix on l'a payé, on a regardé un peu sur le marché, et c'est le prix de la totalité des cartes promotionnelles presque. Bah, enfin après ça a dû descendre parce qu'il y a des éditions de malade, mais je sais qu'à un moment elles étaient un peu rares et maintenant bah, du coup ce qui est cool c'est qu'elles sont devenues moins rares. C'est à dire que là aujourd'hui, bah, si vous voulez vraiment les gens. Acheter les cartes à l'unité, je pense qu'il y en a beaucoup qui les vendent plutôt que d'acheter le coffret hors de prix. Oui. Parce que on va voir aujourd'hui si on a de la chance sur le tirage. Attends, oui c'est bon, on a les quatre illustrations. On a Mewtwo. On a Mewtwo. On a Rayquaza. On a Genesect. Rayquaza. On a Piercé Mewtwo. Et les gens 8 boosters. Mewtwo. 8 dans un coffret. Alors mon frère a eu un bon tirage, très très bon tirage même. J'espère qu'on aura aussi de la chance. Ouais, peut-être un peu différemment, enfin... on va voir. La vidéo de Mimir sortira plus tard. Hein. Oui. Je spoil pas, c'est pour ça. Ok, d'accord. Bon bah tu commences ou je commence? Bah vas-y, je suis galant. Ok, bon bah je commence. Alors bah je vais commencer par celui qu'on a le plus, c'est Rayquaza. Alors c'est parti, Jean Drian, ça fait longtemps qu'on en a pas ouvert. J'espère qu'on va pas regretter de l'avoir ouvert. Après en soi, comme on vous a dit, c'est surtout les... Oh, ils sont incroyables ces boosters. Ils sont ultra qualitatifs. Oh là là, ils sont quali, c'est dingue. Mimir a dit exactement la même chose. Bah oui. Les mêmes mots, il a ouvert, il a dit... Oh ça c'est des vrais boosters. Ouais, c'est ouf, mais non mais c'est dingue. Ils sont épais, ils sont quali, ils sont faciles à ouvrir. Ouais, exactement. Ah, ils sont dingues. Allez, Kim... Énergie. Qui ne pack du lourd. Donc, bien évidemment, ce qui est cool, c'est le croissant. C'est qu'on peut pas se spoil, puisqu'en fait, les brillantes ont un bord jaune. C'est ça. T'as vu, c'est le croissant. Ah, c'est ça, c'est les gens brillantes. Bagaïde. Donc, dans cette extension, il y a 73 cartes, mais il y a aussi des cartes secrètes. On vous les avait montrées quand on vous avait montré et le demain, les gens, il y a une vidéo normalement. Il faut rester rendez-vous. C'est la vidéo de l'anniversaire de Guillaume. Ouais, c'est demain. Et c'est demain. Tilly. Demain. Énergie de distorsion. D'ailleurs, j'ai eu un beau cadeau pour l'anniversaire. C'était pas prévu. Vous avez eu. On en parlera peut-être. T'as eu quoi? T'as un petit plaqué écrit en bas. Ah oui, ouais. Incroyable. Non mais, si ça se passe, c'est incroyable. C'est vraiment pour mon anniversaire. C'est mon plus beau cadeau. Pikachu. Ah, Pikachu. Ah bah c'est incroyable. Allez. Et non. Et Raikou. Tout jaune. Tout jaune, ouais. Les trois dernières sont jaunes. Bah, en vrai, on va pas trop trahir les jaunes brillantes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Voilà, vous le savez, puisqu'en fait vous avez vu les vidéos, oui. Je sais pas, il nous reste des ETB. Oui. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu tellement une ETB de malade la dernière fois, ouais. Qu'on se dit, on va faire une pause. Oui, voilà, on fait une pause. Dans quelques mois, on en rouvrira, mais là, pour l'instant... Il y a aussi d'autres displays qui vont arriver, mais cette fois-ci d'un autre pays encore que le Japon, oh que... Oh là là, voilà. Mais c'est... du non, jamais vu en français, je pense. Oui, hein. Oui, non, mais c'est dingue. On vous expliquera tout ça dans les détails, je pense. Enfin, et honnêtement, c'est pas très cher pour ce que c'est, et vous pourrez ouais. Après chercher et en commander, parce que... Il y en a sur des sites un petit peu... Et fin de vidéo, il y aura un bonus que ça, il ouais. Y en a partout. Gringolem, bah... Oui, les Pokébox. Mystérieux, on va prendre notre revanche. Bah si, ça dépend, j'espère qu'on aura un bon tirage là. J'espère qu'on va avoir un bon tirage, ouais. Lipoutou, Balignon... Et... Non, Yveltal. Exernès. Et Oupa. Yveltal, oui, c'est Yveltal. Yveltal, t'as pris de l'énergie? Oui, tu prends de l'énergie. Oh, le petit lapin, il est venu me voir. Il est vénère. Bah alors, un peu chouchou. Alors, t'as ouvert un quoi? Bah, je continue sur mes Rayquaza là. Moi, je bah, au moins une. Bah, soit une brillante, soit une full art. Enfin, au moins un hit. Plus qu'une JIT. Coucou. Il est trop mignon. Coucou. Vous savez pas où il dort? Il dort dans. Non, il mais trop il a trop des mignon. Cachettes pour dormir, il est génial. Par contre, là, elle est méga abîmée celle-là. Là, vous voyez, il y a un méga point blanc. Ah, il y a des poils partout. Ça y est, il fait trop chaud, il perd ses poils là. En haut, t-shirt noir en plus, vous voyez que t'oplasma toujours. Alors, énergie. Déplace dégâts. Il y a quelle carte abîmée? Hyper Ball, c'était la première, donc ça va être 1, 2, 3. Ah oui, bon, et ça va être Baggy One. Regarde. Ah ouais. Voltorb. Ah, c'est correct, par rapport à Reine de Glace. Pikachu. Et Reine de Glace, on en rouvrira aussi, vous inquiétez pas. Oh, Palkia. Ouais, je dis, c'est une autre reverse, ouais. Et la même. Ou pas. Pas de chance. Ou pas de chance, même. Ou pas de chance, je pense qu'il ouais, faut avoir de la chance pour avoir un tirage bien. Oui, genre, bah oui, oui. Bah c'est comme les ETB, hein. On a eu quand même des ETB pas terribles, on a ouais, eu on des ETB de malade, bien, on a eu, la secrète donc de malade, voilà. Ah, elle est bien foncée celle-ci. Hein. Oui, mais ça veut rien dire. Ah, ça veut rien dire. Puis ça peut être une GX, hein. Oui, et c'est pas ce qu'on veut. Non. Énergie. Même si c'est très bien quand même. Hein, voilà. Arbok, Félinferno, Chris, Gringolem, je ne tiens pas debout.
Daiwan, Vortant et... Oh yes, c'est Miu Jirachi. Miu. Elle est trop cool. Non mais c'est une blague. Tu sais qu'en plus mon frère, alors il était pas chouchou de cette carte. Je sais qu'il c'est une carte qu'il voulait. J'ai spoil. Oui, là tu viens de d'anéantir son ouverture. Il y a pas que ça. Ouais, je spoil pas, voilà. Guillaume, bam, spoil voilà. J'ai rien dit. Ah, trop bien. Voilà. Ah, c'est génial. Alors, pourquoi on a dit Miu? Parce qu'en fait, il y a deux cartes violettes avec le symbole brillant en bas. Bah, c'est Miu et Jirachi. Bah, j'ai... énorme. Les deux étaient bien. C'est vrai que Miu, c'est quand même le légendaire incroyable. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y a un revêtement full art sur le personnage. Elle est trop belle. Bah ouais. Oh, il va nous vertir. C'est trop bien. Trop bien. Elle est trop cool. Non, ça va. Bah non, c'est, j'ai pas qu'un truc, donc je continue, non. Vas-y, c'est à moi de paquer. J'ai envie de paquer les choses. J'avoue. Alors... Allez, on a fait une tentative d'ouverture de Pokébox. On aurait pas dû. Non, ouais. On a ouvert et c'était naze. Ouais. Oh, elle est trop belle, celle-ci. Ouais. C'est ultra belle. Mais non, la coup de langue, elle est mieux. Je t'ai montré la dernière fois. Elle est belle, celle-ci. Bon. Donc, elle était bien plus foncée, la carte. Elle était bien plus foncée. Après, oui, mais il y a des arcs-en-ciel et tout. Mais elle était grave foncée, ouais. De ouf. Alors, elle est propre en plus. Énergie. Elle était propre. Pyrax. Eh bien, déplace dégâts. Jirachi. Hyper Ball. Les poteaux. Positif. Allez, une deuxième. Mate au feu. Ouais, là, j'avoue, elle était sombre, hein. C'est bizarre. Hein. Kaiminus, Mustéboué, Lili. Et. Oh, Entei. Ouais, pas mal. Cool. Tu vois, t'as pas quelque chose. Bien. Incroyable. Ouais, c'est la fête. Oh, mais ils sont trop bien, tes coffrets. Ils sont pas mal, hein. Ah, ouais, j'avoue. Mince. Ils ont l'air d'être pas trop mal. On aurait dû en acheter 10 000. Ouais, mais non, on a pas abusé. C'était, en gros, c'était là où on en a pris. Puis le magasin que vous connaissez à Nantes, hein, on va pas encore dire non, s'ils en ont plus de toute façon. Oui. Et en gros, c'était deux par personne. Et du coup, on se dit, bon, on va juste en prendre un. Pour, parce qu'on avait déjà fait une commande de Reine de Glace qui était assez conséquente. On va pas tout prendre non plus. Oui, bah oui. Et bah, en vrai, les gens. On a choisi le bon, voilà. Bah ouais, et du coup, je dis pas. On a choisi le bon pour Mimir, on a choisi le bon pour. Voilà, juste pris un au cas où, on se dit, bon, on sait jamais. Bon, je pense pas qu'on va avoir autre chose, ce serait un peu. Voilà. Mais bon, bah, comme d'hab, on espère toujours. Pyritombe, Pyronie, Charter, Herbizor, Zoria, Flamiaou. Ma Flyou. Allez. Non, mais. Reiku. Mais j'ai commencé par Reiku. Il reste un booster chacun. Ouais, bah, j'ai eu de la chance dans le Johnny Sect. Je garde le Reiku pour la fin. Ouais, mais moi j'ai pas eu de chance pour Reiku. Allez, Red Shoe Arc-en-Ciel. Bah, ça c'est une des cartes qu'on devrait paquer. Red Shoe Arc-en-Ciel. Ouais, Mewtwo Arc-en-Ciel. Et puis Mew, comme ça, brillant. Ouais, Mew brillant. Et Reiku aussi. Ah, elle est foncée. Non. Non. Ok. C'est pas trop d'illusion. Tu n'as pas autant de chance. Tu n'es pas que des GX. Énergie. Bah, après, une autre GX, c'est bien. Tiens, des petites foulards, sinon, des petits trucs. Electrode, Léopardus, Bulbasaur. Bah, non, je voulais pas s'arriver parce que des fois, Charta, tu dis, ah bah, du coup, ça va être les rats. Herbiza, Quillfish, Balignon. Tiki, allez. Et. Moi, j'y crois quand même, mais. Ah non, tu vois. Palkia. Toi, tu dis 3 IP. Bah, du ouais, coup, tu je m'as hypé. Moi, je me suis hypé. Ouais, de ouf, hein. Voilà. C'est parce qu'il faut appeler les arcs-en-ciel. Tu vas pas ouvrir avec ça derrière. C'est dommage qu'elle soit abîmée. Ouais, c'est dommage, ouais. Ou bah, elle abîme pas encore plus. Bah, non, on va le dans l'autre sens, voilà. Ouais, mais tu la mets à plat, ça sera bon. Oui, oui. Bah dis donc, je vais invoquer Red Shoe Arc-en-Ciel. Mais non, mais 7 boosters au final, c'est autant que 10 boosters d'une ETB, donc 8. Non, il n'y en a pas 10. 8 boosters, t'as dit 7. Ah oui, 8 oui, parce qu'on a ouvert les lanceurs rien avec 7. Oui, bah oui. J'ai un cheveu. Énergie, tiens, cadeau. Phil Inferno, Chris, Super Bowl, Abo, Chapignon, Voltorb, Flamiaou, Chacrippan, Alligator et... Ah non. Eh ben non. Quel Néo. Je suis l'âme de la justice. Il est insupportable, ce putain. Dans le film, il est insupportable. Dans le film, il est insupportable. Ouais. Ah, franchement, ça va. Franchement, ça va parce que, bah, après, voilà, il faut compter tout ça. Hein. Oh, non, mais il est dingue ce coffret. Faut compter tout ça, là. Donc là, franchement. Bah non, mais t'es content en fait. T'as ta collection qui commence. Mais de ouf, c'est incroyable. Et très bien d'avoir eu celle-ci parce que même si voilà, on aurait pu avoir mieux, au moins c'est une qu'on n'a jamais eue. Oui. Bah on a eu beaucoup cool. Arceus, beaucoup trop même. Arceus on l'a eu 4 fois. On a eu Rayquaza aussi 2 fois et on avait eu... Franchement en plus Arceus ça allait assez rare, on a regardé... Mais non mais c'est dingue, ouais. Écoute une quarantaine d'euros je crois. Tu fais. Bon on peut aller ouvrir le Nulos après. Le méga Nulos même. Il y a intérêt que c'est quelque chose. Honnêtement hein. Les gens il y en avait tellement partout de ces coffrets euros que normalement je sais que ceux qui collectionnent et qui ont des bonnes adresses ou il y a des magasins encore corrects
comme celui que nous connaissons et que vous connaissez aussi probablement, ceux de Nantes. Les gens, moi anecdote, ils avaient reçu un stock énorme avec du légende brillant, des ETB, des ultra prismes et tout. Ils avaient mis ça à des prix normaux. Quoi. Ouais. C'est une denrée rare. Mais non, mais tu te dis punaise. Bah oui. Et le problème c'est que tous les magasins pseudo spécialisés là sur internet qui se permettent de mettre des prix hors de prix sans que le prix de base soit plus cher. Oui. Bah quand il y aura trop de cartes Pokémon qui vont en vendre, qui reviendront. Je vais dire littéralement la queue entre les jambes, les gens en mode ah ben on rebaisse les prix, désolé, vous revenez nos clients fidèles. Oui, c'est ça. Tu vas faire bah non, gros. Bah oui, bah oui. T'as abusé. Moi c'est non. Ouais, ouais. Donc les gens. Ah mais nous, tous les magasins qui ont augmenté leurs prix. Alors on peut comprendre l'augmentation un petit peu. Non, mais voilà. C'est normal. Voilà, mais non, mais par exemple, je dis à prix normal, le magasin on achète, il y a certains prix qui ont un peu augmenté, voilà. Mais tu dis bon, c'est normal. Il y en a, ils abusent beaucoup et moi, nous, j'ai jamais pu en recommander sur le nombre de sites qui l'ont mis à 110, 120 euros. Ouais. Tu fais mais arrêtez quoi. Même des magasins de jouets. Mais non, mais même des magasins de jouets, c'est dingue. C'est pas comme si les prix de gros avaient éclaté quoi. Mais oui. Il y a aucune justification, c'est juste faut continuer à faire du chiffre avec moins de stock, quoi. Mais du coup c'est toujours la même personne qui s'en prend plein, c'est le consommateur. C'est le consommateur. Finalement, ce qui est un peu navrant, c'est par exemple les parents ou les grands-parents d'enfants qui voudraient avoir du Pokémon, qui vont pas connaître forcément la vraie valeur des choses et qui vont acheter hors de prix des items. Oui. Et c'est ça, c'est en fait, ça. Finalement, c'est ceux qui sont piégés, c'est les nouveaux. Oui. Et c'est dommage. L'épidonie, Monorpal. Donc nous, on vous met danger, attention. Bah non, mais alerte. C'est compliqué. Après, c'est sûr que nous, on n'a pas de site. On n'a pas un site Pokémon. C'est sûr que peut-être que si on avait un site, on serait peut-être différent. Parce que voilà, après, faut vendre. Voilà, c'est différent. Je sais très bien que c'est un métier, etc. Mais voilà, toujours quand c'est même pas se non dire. Plus, biaiser complètement bah non, le mais, consommateur. Ce qui est important, c'est de fidéliser la clientèle. Je pense quand même au bout d'un moment, il faut pas trop abuser. Hein. Voilà, faut pas trop abuser. Voilà. Faut être raisonnable. Eh bien, pour l'instant, c'est Battle Steel, donc je pense que. Bah oui, voilà. Mais de toute façon, est-ce qu'on attend quelque chose dans Battle Steel? Tu vois, c'est tellement nul que c'est flou. Oui. Bah, tu peux mettre la mise au point aussi. Il aime pas Pied Fabec. Laisse-le ne pas aimer Pied Fabec. Ouais, c'est flou. Voilà. C'est bon. Grippat, Lixi, moi je pense que je vais tryhard parce que là, je pense que. Voilà. Bah oui, mais non, c'est. Non, mais c'est grave. Oui, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire que. Mais. On a ouvert des quand même pas mal le Pokébox. Je pense que là, on est rendu à une vingtaine. Voilà, vous avez vu en vidéo. Et c'est... Mais non, mais en vidéo, vous en avez vu 12. Non, en fait on en a ouvert un peu de notre côté quand même. Comme on en trouve plein, on se dit, bon, on va faire plaisir. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est nul. Et en fait, il y a une Pokébox qui est bien, ça nous remet la hype. On roule, voilà, c'est nul. Et il y a une Pokébox qui est bien, bon, et ça nous remet alors, la hype. Honnêtement, au bout d'un moment, je vais pas chercher à essayer par de faire un truc bien. Ténèbres, zéro. Et puis, anecdote, c'est des boules surprise dans Ultra Prisme. Oui. Donc c'est, je sais pas, après on a eu de la chance. C'est le seul endroit où on a eu de la chance, donc Allez, moi je veux un truc quand même là, parce que les gens, sérieux. Ah mais sérieux, c'est joli notre magnifique carte haut, regardez. Elle va me faire un mur de carte haut. Alors, est-ce que tu crois que je vais avoir quelque chose coffrets, mais... dans Battle Steel? Ben moi j'ai rien eu. Bon, j'ai ouvert à l'arrache les gens, mais bon, normalement, écoutez. Ben quand c'est un bel item et que c'est bien, on ouvre tranquillement. Quand c'est un item mauvais, on ouvre à l'arrache. Non, c'est pas un item mauvais. Non. Parce qu'on a eu de la chance, mais non mais oui. Ouais. Là il est. Allez. Il est gonflé. C'est maintenant. Sinon c'est on moi. Fait une croix sur les Pokéballs. Ah ouais, on arrête. On a eu deux très très bien. Ça deux, suffit c'est, pas. C'est pas une chance sur 10 d'avoir quelque chose. Ça suffit bien, pas pour nous remettre une. Donc ceux qui n'ont pas acheté de Pokéballs, vous avez bien fait. Voilà. Parce que vous aurez peu de chance d'avoir quelque chose. Ah mais c'est le seul. Le problème c'est que c'est le seul item qui est à foison dans les magasins. Donc on peut comprendre qu'il y en a. Galopin aussi un peu. Aldo. Ouais, mais il y a trois aussi. Moussa. Morpeko. Grucu. Monorpal, Electek, Balbuto, Scorplan, Cerebou et Dryel. C'est incroyable cette carte comme on l'a à chaque fois. C'est étonnant. Moi je m'attendais quand même à une méga foulard, je suis content d'avoir. Ouais, moi aussi, ouais. Franchement, ça a été tellement. Mais non, mais honnêtement, on a eu les deux foulards que vous avez vu en vidéo. Ouais, bah, et, on a eu le combat. Aucune autre carte. Hop. On a eu une VMAX. 1, 2, 3, 4, pouf. Oh je me suis dit, il y aura rien. Deuxième booster. Alors si t'as un autre truc ça va, mais si t'as un autre, en fait tu peux pas avoir autre chose qu'une VMAX. En fait t'as pas de secret. En fait honnêtement on a ouvert, y a pas de secret. Y a pas de secret. À part dans bah, en gros, mais non mais on a ouvert quasiment 40 boosters dans les Pokémon, quoi. Y a pas de secret. Oui. Y a eu des VMAX. Ouais. Des VMAX, des full art c'est tout que vous avez vu. Et ténèbres mais alors. Et ténèbres rien. Booster rien. Ultra Brise, tu fais ouais, une gold, une arc-en-ciel, c'est cool. Bon, on ouvre tranquillement. Non, je pensais tellement rien avoir dans ce type de combat bah non, que j'ai ouvert tu touches, un peu là. Tu te spoil, tu dis s'il y a quelque chose, tu dis allez, je prends le. Ça va? Attends. Je crois.
Attends, énergie. Qui m'a la fumé. Flou rien tout du le temps, tout, chier rose. Pourquoi non, tu te hype alors? Mais je sais pas, attends, j'ai cru me sentir à une histoire de foulard. Skitty. Mais tu vois? Eh? Non mais moi wow. C'est bien, non mais il faut critiquer, parce qu'en fait, un moment, ce sera bien. C'est... attends. C'est... attends. C'est... Non, ténèbres. Scolossandre. C'est Scolossandre, ouais. Ah, ah papillusion. Oh, les... Oh, les c'est atroces. Dégueulasse. Non mais regardez la barre, il y a une autoroute là, et... Il y a une autoroute et là c'est un petit ruisseau. Non c'est pas mal, c'est bien mais les gens on en a ouvert pas mal les Pokéballs. Donc oui, voilà, ouais, c'est vrai ouais, qu'on est toujours on reste à terre. Bah non mais on est content du coffret haut, on en a ouvert un seul, il était bien. Tu fais voilà, oui. Peut-être qu'on aurait ouvert 3 nuls avant, on aurait dit c'est nul. Mais Ben voilà, non mais c'est tout à fait le truc, Guillaume a rien eu et moi j'ai deux trucs. Oh mon dieu. Ouais ça va, oui ça va, c'est bien. C'est bien, t'as le droit. Allez. Tu peux me spoil? Ah c'est parce que je me spoil en fait. Oui. Vas-y. Ah non, 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 tu... Non, t'as rien avec toi. Y'a rien, hein. S'il y a peut-être quelque chose. Non, y'a rien. Mais moi, je veux aussi quelque chose. Ah, t'as eu une brillante. Pas mal, de toute façon, moi, je vous garde ma chance pour demain. Oui. Allez, faut être au rendez-vous demain. Bah, y'aura pas forcément des quantités de cartes, mais normalement... Ah, une Nulo, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, bah bon, du coup, ma Pokéball, c'était très bien. La mienne était ouf aussi. Ouais. Elle est tellement ouf que c'est des cartes invisibles. Ouais, ouais, c'est la nouvelle rareté. Ouais, ah ouais, c'est la nouvelle rareté, c'est des cartes invisibles. Et t'en as dans quasiment tous les paquets, c'est énorme. Bon, franchement, en une vidéo, on peut dire que ouais, on a paqué des choses, hein. Non, mais si tu comptes pas ça. Donc, mais... tu comptes tout, tu comptes tout. Voilà. Mais c'est pas mal déjà. Franchement, un coffret et deux Pokébox, c'est pas mal. Un coffret et deux Pokébox, c'est assez content. Quand même. Bah oui, après ça rembourse pas le coffret, mais non. Si tu comptes, c'est déjà mieux. Et si tu comptes les deux foules, les deux. C'est, voilà. C'est mieux. Si tu c'est comptes mieux. Vraiment tout ce qu'on a eu en 3 items, c'est très bien. je me suis étonné moi-même. Mais du coup, on n'ouvrira probablement jamais d'autres hauts parce que s'il faut en ouvrir, c'est faut racheter des resellers. Donc, ouais, voilà. Donc nous c'était le nôtre, voilà, c'était notre collection. Et franchement, on est plutôt content de l'avoir ouvert. Non, c'est cool, ouais. Parce qu'on aimerait bien compléter la légende brillante étant donné qu'on a pas mal de stocks en ETB, en balisette et tout. Donc on fera ça tranquillement quand on peut peut-être plus dans les mois de juillet. Quand il y aura moins de nouveautés après fin juillet, parce que début juillet il y a la nouvelle génération Pokémon épée bouclier 7 en japonais après ouais. Honnêtement ça va être compliqué d'avoir du stock de tout et du coup on verra et on se donne rendez-vous non, demain on espère pouvoir faire une petite pas avant-première mais découverte avec Hello Japan oui. Comme d'habitude ouais, on verra bien mais c'est vrai que voilà tu te dis on n'a pas encore préco voilà, toujours non, pour toujours pas. Bah, un peu à l'image alors ça sort dans 10 jours et tu fais Et donc il faut rester au courant parce que sauf demain que Yvéron, il y aura une vidéo rare, très sympathique. Ouais. Et il y aura. Je sais pas, en vrai c'est tellement sympathique qu'on sait toujours pas ce qu'on va. Oui c'est vrai, on sait même pas ce qu'on va ouvrir. Bah mais non ce mais sera parce qu'en gros ça on stat voilà en gros parce que on a quelques petits items scellés en termes de boosters qui sont sympas sauf que voilà il y en a qui ont atteint des prix où tu dis bah non je veux pas l'ouvrir parce que bah voilà quoi. Et on viendra aussi avec des displays d'un autre pays parce que ah ouais. Le rêve devient vrai c'est ouais. Ça. C'est ça, hein? Ouais. T'as vu, je t'ai bien traduit. Ouais, pas mal. Et Mais non, mais vous verrez, c'est une double petite série qui est sortie exclusivement. Elle est incroyable. Bah, surtout pour deux grosses cartes oui. Qui sont. Enfin, le contexte pour l'avoir, c'est incroyable parce que du coup, c'est. Bah, c'est on vous expliquera voilà. Au moment venu. Il faut mettre un maximum de pouces bleus, il faut s'abonner à la chaîne. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gaming Team. Allez, salut!